On se retrouve aussi avec Ellie, puisque là j'ai commencé à changer un peu tout le monde. J'étais restée dans mes tenues, celle-là ça fait un petit moment hein, vous l'avez vu. Donc on va changer les petits loups et les petites louloutes. Donc on va commencer, j'ai commencé par Virginie, on va faire maintenant Mademoiselle Ellie, toute jolie dans sa robe qu'annonçait le printemps, son joli serre-tête. Ça c'est qui habille en ce moment, ils avaient ça. Alors il y a un petit peu déjà, je sais pas s'ils l'ont toujours, mais Zav avait trouvé ça chez qui habille. Ah, on va lui enlever son joli petit gilet couleur du printemps. Ouais, il fait une chaleur extraordinaire, c'est ouf. Et puis là, pendant l'hôpital et tout, j'ai fait la connaissance de mon petit-fils Lohan. J'étais drôlement contente. Il est tellement beau, tellement beau. Alors bon, il était dans un pyjama. Je vous montrerai, je vous expliquerai quand j'essaierai le pyjama. Il était dans un joli pyjama Gémeaux avec un renard et tout. Je trouvais ce pyjama très très beau. Et comme j'ai un petit garçon qui est arrivé, Reborn, je m'étais dit oh, je vais l'habiller comme ça. C'était juste, je sais pas comment vous dire, pas un clin d'œil, mais bref, je trouvais ce pyjama joli. Je disais oh, ça sera mignon sur mon Reborn et tout. Et mon fils, il a pas du tout apprécié que sur Vinted on trouve ce pyjama. Oh, ils s'en foutaient hein, que ce soit sur Vinted ou ailleurs, mais que je lui dise que j'avais racheté le pyjama pour habiller un Reborn, il est dans une colère, un truc de fou quoi. Ouais, j'ai trouvé, comme disait, c'était injustifié. Mais ça l'a foutu vraiment en colère, quoi. Bon, bah c'était fait. Hein. On va ranger cette robe fabuleuse. Alors, j'avais plein de trucs à dire en vidéo. Et puis, bah, comme d'habitude, ça a été subi. Hein. Généralement, on ne prévoit pas toutes ces choses-là. Ce qui fait que je me souviens plus ce que je devais dire. Alors j'essaierai de retrouver au fur et à mesure. Elle est dans un body qui appartient à Océane, mais bon, vous savez bien que chez moi on se prête. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé beau? Je crois que c'est Cathy Mini, ça aussi c'est Vinted. On a une petite robe tunique et un joli petit pantalon bouffant, n'importe quoi, fleuri. C'est joli comme tout. Je ne sais pas si vous voyez bien le motif. Ouais, là, on voit bien. Et puis, ben, j'aime beaucoup ces robes. Alors, c'est le rappel de ça. Mais je trouve que vraiment, Cathy Mini, c'est plein de couleurs. C'est très, très joli. Moi, j'aime beaucoup. On ira rechercher après un joli petit bandeau pour ses cheveux. Ouais, je crois bien que c'est Cathy Mini. Ouais, c'est ça, Cathy Mini. C'est vrai que Vinted, c'est pas mal. Tu peux trouver du... Bah, les bébés, ils usent pas, quoi. Puis, tu peux trouver des choses de marque pour tellement moins cher Hop, alors. On va te lever les bras, ma poupée. Allez. Alors, chouchoute. Allez. Alors, et cette jolie, je trouve que ça lui va trop bien ce petit pantalon. Mais tu peux même le mettre avec un body blanc, même pas forcément avec la, la robinette là. Mais bon, en l'occurrence là, on va la mettre puisqu'on parle des ensembles et on essaye de faire des choses jolies. Je vous avais tourné des vidéos où je vous montre un peu la vitrine et les bébés dedans. Et la vidéo, ben, je l'ai perdue, je ne sais pas où elle est. J'avais fait pas mal de vidéos avant de partir. Je ne sais pas ce que j'ai trifouillé. Honnêtement, j'en ai supprimé sans faire exprès. Ah, puis une fois, d'habitude, je vous les transmets, vous savez, au fur et à mesure. Hein, ben, mon absence, je transmets et tout.
Et ben là, j'ai même pas pu le faire puisque de toute façon, le téléphone, c'était pas. Et puis, quand j'ai demandé à Zaza de faire, elle n'a pas retrouvé les vidéos. Et effectivement, j'avais dû vider mon téléphone. Je sais pas ce que j'ai foutu. Parce que souvent, même quand je suis pas là, Zaza, elle peut les distribuer puisque je les téléchargeais chez Franck et que je les mettais en attente. Sauf que là, ben, j'avais plus une seule vidéo en attente, mis à part celle de Anaïs. D'ailleurs, une très jolie vidéo. Je vous remercie pour l'accueil que vous lui avez fait. Elle est tellement mignonne, cette petite nénette. D'ailleurs, Anaïs te fait des bisous. J'espère que tu vas bien. Parce que ben, j'avoue que j'ai pas donné de nouvelles à grand monde. Puis bon, quand t'as pas ton téléphone, de toute façon, c'est un peu compliqué aussi de le faire. Et puis c'est vrai que quand t'es pas bien, même si tu l'avais, t'es pas. Voilà, dire ça va pas, c'est un peu compliqué aussi. T'as pas forcément envie de parler que de ça. Et en l'occurrence, là, ben, j'avais pas grand chose, mis à part ça, à raconter. Ah ouais, c'est très joli. Même de dos, c'est joli. Le dos est très sympa. Alors, ça a été lavé par passé, mais très honnêtement, vous savez bien, hein, c'est ma maladie, moi. Hein, c'est vrai, nénette. Alors, on va lui trouver un joli petit bandeau pour Alexa. On va chercher la jolie boîte de Gigi. Hop, il y a les gilets qui étaient posés dessus. Je suis partie, j'ai tout laissé traîner. Là, il y en a partout. Alors, choupette. Qu'est-ce qu'on va trouver? Du bleu turquoise, ce serait joli. Un joli nœud ou du rose. Oh, décidément, j'ai failli la faire. Hein. Alors, bleu, je sais pas. En fait, ça me plaît pas. Un peu rouge, peut-être. C'est pas mieux. Eh bien, il y a quoi comme couleur? Du vert. Ouais, moi je vais peut-être mettre le vert, tout qu'on me fait. Hop, on va repercher. Oh, j'ai tout fait tomber. On va repercher donc la boîte magique, elle aussi. Et je vais prendre ma jolie brosse, un peu de produit dessus et on recommence. Même punition que tout à l'heure, on leur mettra ses petits souliers. Hop. Allez. Ouh, ça faisait longtemps. Hein. Ça te va bien. Elle est tellement jolie, elle. C'est vraiment un très joli kit. Elle a beaucoup de succès. Je sais pas, un petit message perso pour l'ami qui cherchait le même kit. Je sais pas si tu l'as trouvé. Dis-moi donc. Ouais, je suis contente d'avoir pris le vert. En fait, le bleu, ça faisait trop, je trouve. Alors... remettons-lui ses jolies petites chaussures à fleurs. Voilà. On est... Zaza est malade aussi. Elle a pris froid. Elle a passé 3-4 jours là, difficile. Ça commence à aller un peu mieux. Allez. Ce que vous entendez, c'est le jardinier qui nettoie les à côté. Et voilà. Alors, vous en pensez quoi de ma nénette tout en couleur? Décidément, j'ai fait de la couleur là, que ce soit elle ou Virginie. Elles étaient toutes en couleur. J'aime beaucoup, ouais, bon, Catimini, ça vous le savez, mais cette marque Carters, Next aussi, j'ai trouvé pas mal de petites choses Next, fort jolies. Mayoral, c'est, ouais, il y a quelques marques comme ça que j'aime bien, et j'en ai vu un, c'est fruit de la passion, mon fruit de la passion, un truc comme ça, et j'ai trouvé qu'il faisait de très jolies choses cette marque aussi. Voilà, donc on a retrouvé notre mademoiselle Ellie toute belle. Je vais aller la montrer à Zaza parce que je sais qu'elle l'aime beaucoup. Et puis, Ellie, elle vous fait des bisous et moi aussi. Et je vous dis, bah, prenez soin de vous. Vous préparez peut-être vos vacances. Tiens, dites-moi où vous allez partir cet été. On ne sait jamais, des fois qu'on puisse se retrouver. Voilà, si vous venez dans le coin, ma foi, ça serait sympa. Sur ce,
On vous fait des bisous et on vous dit à bientôt pour une autre vidéo. T'es d'accord avec moi, Ellie? Ouais, toi aussi, t'en manquais? Ouais, moi aussi. Ah ouais, je vous raconterai. Allez, sur ce, je vous embrasse. Faites attention à vous. Bye.